C'est au rythme des tambours et des chants traditionnels que Chifaoucha Roumanie avance parmi la foule venue l'accueillir. Recouverte de colliers de fleurs, la nouvelle Miss Excellence de Mayotte représente aujourd'hui la fierté de tout le village de Mtsahara et de la commune de Mtsamboro. Comme vous voyez, en fait, on est tous vêtus de la même manière. On est ses copines, ses cousines, enfin, on est tous de la même famille. La soirée de l'élection, on était à fond dedans, donc tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je suis fière de notre cousine parce que vraiment, elle a mis la barre vraiment haute en fait aujourd'hui. Du coup, je suis vraiment contente. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vraiment vous exprimer ce que je ressens, mais c'est juste du bonheur en fait. Au sein du village, on se prépare depuis plusieurs jours. Entre la préparation de la nourriture et de l'équipement sonore jusqu'à l'installation du tapis rouge, chaque détail compte pour accueillir la reine de beauté à la hauteur de son titre. Une semaine après son couronnement, la jeune femme peut enfin mesurer les effets de sa notoriété. Aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de pouvoir venir voir ma famille. Mon accueil est vraiment, c'est vraiment chaleureux. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment, ça fait plaisir. Parce que je vois aujourd'hui que j'ai le soutien de ma famille, de ma communauté et de tout Mayotte entière pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Du haut de ses 18 ans et de ses 1m79, Chifaoucha Roumani partira vivre la belle aventure nationale en métropole en mai prochain et aura ainsi la mission de porter les couleurs de Mayotte lors du concours.